Sur les 6 derniers mois, 16 vols de données confidentielles dans plusieurs grandes sociétés. Pas d'empreintes, pas d'indices, rien. Jusqu'à aujourd'hui. Où on vous prend en flagrant délit de tentative de vol dans les locaux d'une grande entreprise. Je suis persuadée que tout ça, c'est vous. Vous savez, c'est facile de tout relier. Mode opératoire identique. Dans tous les cas, les vigiles n'ont rien vu. Intrus dans le secteur des Royaumes à l'aéroport. Hey ! Les rapports indiquent qu'aucune image du voleur n'a été enregistrée par la vidéosurveillance. Dans tous ces dossiers, aucun début de piste. Comment vous faites ça? Je vous sens admirative. Je n'ai aucune admiration pour les gens comme vous. J'ai simplement un peu de curiosité. Dans votre cas, 16 vols, pas de preuves directes. Un taux de réussite de 100%. Et alors? Et alors? C'est impossible, vous le savez bien. C'est quoi le truc? Vous aimeriez pouvoir en faire autant? Ce que j'aimerais, c'est que vous répondiez au moins à une de mes questions avant que je vous expédie en tôle. Mais vous comptez faire ça avec un dossier sans preuve directe? Bonne chance. J'ai pas de preuve pour les anciennes affaires. Mais il y a une chose que vous m'enlèverez pas, c'est le flagrant délit d'aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quand on apprend à marcher, on tombe sans arrêt. Alors on persévère, on se relève et on finit par tenir debout. Pourtant, une fois adulte, on n'est jamais à l'abri d'une chute. C'est quoi alors, un accident de parcours? Plutôt une prise de risque. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui prend des risques. C'est quand on a le plus à gagner qu'on a aussi le plus à perdre. J'ai fait un choix. Et ça valait le coup? J'en sais rien. C'est pour ça que vous avez choisi cette vie. Pourquoi continuez-vous à travailler sur cette enquête? C'est mon boulot. Non, vous comprenez pas. Aucun indice ni aucune preuve. En 16 vols. Vous l'avez dit vous-même, c'est impossible. D'ailleurs, tous vos collègues ont lâché l'affaire, mais vous, non. Vous êtes la seule à être restée sur ce dossier depuis le début. Comment vous savez ça? Vous n'êtes jamais là à temps. Vous courez après quelque chose qui vous dépasse. Vous êtes consciente du fait que ça vous dépasse et pourtant vous tenez bon. Alors, pourquoi continuez-vous encore à travailler sur cette enquête? Parce que je n'admets pas que quelque chose me dépasse. Vous pouvez avouer les 16 vols ou tout nier en bloc. Ça change rien, vous finirez quand même en prison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous faites. Je sais qu'il y a un truc. Et je vous lâcherai pas tant que je saurai pas ce que c'est. Ça fait 6 mois que je tiens le coup sur ce dossier. Et ça paye. Vous êtes là. Oui. Seulement, je suis pas sûr que ce soit grâce à votre ténacité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui vous ai appelé. J'aimerais signaler une intrusion.
pour être sûr que rien dans ce dossier ne mène jusqu'à moi. Et puis... j'avais envie de vous rencontrer. Moi. Vous tenez bon quand les autres lâchent, même face à l'impossible. Tout ce qui vous manque, c'est de pouvoir être là à temps. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne pour quoi ? Pour connaître le truc. Signaler une intrusion. Qui êtes-vous ? Et c'est quoi cette mallette ? Quelque chose qui vous permettra d'arriver à temps.